nasha kaenda. Donc tulikuwa kule tulikuwa wawili. A vile tulikuwa mwa ile fondation Kahebe. Donc mie na leza. Beni kulitokaka deux personnes benye mie nilionaka. Deux personnes donc mie na ule leza. Bunia kulitokaka mtu mmoja. Butembo kulitokaka trois personnes. Sita kumbuka majina abo terima jua tukukua nonana mara mingi. Kisha tunenda kuwa Uganda kulitokaka nako vengine watu. Dair Uganda kulitokaka wa mingi. Tukenda na Kenya. Kenya nao kulitokaka wa ya mingi. Rwanda tena njoko kulitokaka wa mingi sana. Na bali walikuwa na kuya, tukakuwa na wauliza, juu nilikuwa kuwa na curiosity ya kuwauliza. Mimi nasema sasa, munatoka Rwanda, tena munakia Kongo na mungu nasema muko wa Kongole. Nasema aseno siye tuko wa refugee. Na tuko kule tunaikala makaza wa refugee. So sana vile njoba likuwa nasema. Ase tunaikala makaza wa refugee. Andiyo. Ilisepe kudukwaka vile na bakutoka Goma. Na mwile mazone zenye ziko okipe na M23 nao kulitoka nako vile bengine watu wa ya mingi. Andiyo. Sasa kontenu ya formasyon nyo mkwa nafata ipani? Bo, tulifaa formasyon premièrement kwanza sa tulifikaka. Nitaseme ilikuwa donge, ilikuwa tu paramilitaire. Jua nani tulikuwa forme, tulianza kwanza na histoire. Histoire ilikuwa ikishaisha, tukafatilia nengine makuru, makuru tu za karaktere, karaktere tu wa civisme, na zingine zingine makuru za politike, za sekirite, na zingine zingine, bufasa balikuwa na viakselere, wakatufundisha vile na ile wanzoa kuita, nikuwa sikia pabi nasema ile marei, donc ile kujifunza hizi ya kusalimia wakubwa, andiyo. Kidila Bwalula Matulwenu ku televizio wetu Congo Live bisika bozali tolobi matondo mingi na fidelite bokabeli biso mukolo mwalelo pona toka belabino basango ya makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo boyali ebele sima ya ba televizio na bino batu ebele TV moko tolobi mbote bisika bozali na kati ya mboka na biso. Toye kolobela sécurité lisusu na kati ya République démocratique du Congo. L'agression rwandaise lelo batu bazo mi infiltré na kati ya ba service na biso, na kati ya population na biso. Musala ya leta ko traqué batu wana to kolobela lelo ka oyo etiki koyokama na kati ya beni batu oyo bazwa maki bazalaki kosala na kati ya rébellion ya M23 me bazo mi bomba. Baye banate yango leta etielaki maboko likolo ya batuana. Ekozala siji na biso ya yambo na masolo oyo toko kabela bino mukolo mwalelo bande kubalandi ya Congo Live Television. Pwena biso ya mibale toko lobela justice congolaise oyo likambo tozo luyoka ke justice ezali malade. Eske na mukolo mwalelo toko lobela ke justice yango ezo bika na makambo tozo mona. Eske ezali kaka. Musala ya baye oyo ba esengeli ba kumba mboka oyo kozongisa mibeko na kati ya mboka na biso to eza misala ya batu nyoso eza na ba avoka ba magistrat to na peuple congolais po to zongisa mboka na biso na droitire oyo esengeli eza na nango. Batu ebele lelo bazo kanisa keza na tina te kokende na justice po eloko ekosale makuna ekozala kaka injustice. Wapi to komeli mukolo mwalelo na batu oyo baza sanse kotia liboso mibeko ya mboka bangonde bazo bebisa mibeko ya mboka. Exemple na kati ya province ya Nord Kivu likambo lilu salema batu oyo esengeli balande na justice. Bangonde bazo bebisa justice toko yoka ango likolo ya likambo ezo yokama na kati ya mboka na biso. Kriminalite urbaine ekozala pwe na biso ya suka na kati ya manaka na biso ya lelo basango na biso ya sika likambo lieli zo yokama ke na kati ya mboka Goma batu bazo kontinue kokufa. L'état congolais to gouvernement provincial awa elobi eza na ba faux wazalendo baye oyo baza manipulé par l'ennemi to koyoka boni ba mesure ba konzi bazozwa likolo ya likambolie lizo le kanakati ya mboka na biso pour que insécurité esila esuka na kati ya mboka na biso. Les dames et messieurs bisika bozali to lobi boye ela mukolanda manaka na biso ya sika na Congo Live Television. Nenge na lobaki na libandeli ya manaka oyo koloba tokolobela sécurité lisusu lelo na kati ya mboka na biso oyo le temps que trêve ezo pas trêve plutôt mais cesser le fait
ezo landama cesser le fait ezo continuer ba processus à Luanda ba konzi bazo landela yango komona boni likambolie lizo yoka manakati ya mboka na biso ekosuka oyo agression depuis mikolo ebele e bandaki koyoka maeke bitumba ezo continuer tokoyo ebalelo ke banguna bazo salela peba na mboka oyo bazo utiliser bango ko sala agression na kati ya mboka na biso le cas de Nanga et ses complices lelo ba condamné koloba etumi ya liwe za likolo ya mituna bango eke atabake wapi mukolo oyo ba kozonga na kati ya mboka na biso e kozala likambolie lezo sale make esengeli bazala toutefois condamné baza sikoyo na bato oyo basungaka bango kosala likambo yango parce que bango bisika bazala na kati ya zamba me bazala bato oyo basungaka bango notamment na kati ya basite na kati ya territoire na kati ya groupement na kati ya ville na kati ya bisika ebele oyo basungaka bango c'est le cas de la province du Nord Kivu dans le nord de la province du Nord Kivu tozo lobela précisément na kati ya mboka a Beni totanga elongo. Ce mardi, l'armée a présenté à Beni, na kati ya mboka Beni, un échantillon de présumés collaborateurs du M23 AFC. Parmi les personnes arrêtées figure Maître Kakurusi, ancien vice-président de la société civile de Butembo, et Monsieur Patrick Tiko, ancien maire adjoint de cette même ville, c'est-à-dire même ville Oyo ya Butembo. Ces arrestations soulignent les efforts de l'autorité pour lutter contre les groupes armés dans la région, dit la société civile, alors que la situation demeure tendue, mais elle appelle à la vigilance, c'est-à-dire bazo benga population la vigilance. Ce mardi, l'armée est présente qui échantillon, c'est-à-dire ekiri ya batu mulongo ya batu oyo lelo bazo sala musala ya ko désinstabiliser mboka na biso batu oyo bazo sala musala ya ko sunga ennemi oyo batu ya droit oyo batu ya mibeko bazo benga haute trahison parce que lolenge yango tozo sala eloko eza koloba yeke lelo makambo oyo ezo salema esengeli to esengelaki batu wana basunga nde ba mapinga ya ekolo pour que basilisa bitumba oyo mais tozo oyo kana ba pli babaka ebele na kati ya mboka kuna eke batu oyo bazosunga bango eyali batu oyo esengelaki basunga bango te notamment ba population civile notamment batu oyo bazali ko vivre na kati ya mboka mais bazali ba oyo bazosunga ba rebelle du M23 AFC ko progresser ko kendele liboso lelo tozo banga lelo ba population bazo banga bomonaki ba manifestation boyokaki boni na Mutembo boni ba jeune ba telemaki kotelemela likambo koloba yeke makambo oyo ezoleka na kati ya Beni ekoyokana te sans que bango bazoyoka likambo nini ekoyokama te ezali ya yambo likambo ya ba M23 ko avancer jusqu'à Butembo bazobanga ke ba M23 ba avancer jusqu'à Butembo pendant ce temps il y a des jeunes qui coopèrent qui collaborent avec les rebelles du M23 koyali baye oyo bazali kobanga ke ba rebelle du M23 basa la mariage basa la alliance basa le croisement na ba rebelle ya ba A2F ba terroriste ya ba A2F pendant ce temps na kati na bango na kati ya ba population wana kozali baye oyo bazotala liboso komona boni bako kolaborer na banguna oyo bayali kobenga ma ba rebelle du M23 eloko ya kosala soni eloko ya kosala pasi quel est l'exemple aujourd'hui batu oyo bazosala traîtrise bakopesa bisika bandeko na biso oyo bazali kolite bazokokufa wana azolobela bajeune registre wazalendo alors le vrai wazalendo bayali kokufa likolo ya mboka bayali kokamba mboka bazali kotika na balune de front ndenge esengelaki basala yango eke lelo tokolobela matondo mingi twasaki dila asante merci na ba jeune nyonso oyo bazali ba vrai jeune résistant à wazalendo bayiki lelo bazoloba eke bilenge oyo bazoloba lelo eke bakowa mpona ekolo bazolanda te pa ya baye oyo bazolia ba corruption ya banguna bazolanda te te lokolo ya baye oyo bazokolabore na banguna et puis plus de cela ezali kosala pasi na motema parce que ezali batu oyo bazalaki kokamba
ba institution bazalaki na ba responsabilité toujours ka ya oyazalaki ya société civile. To imaginez président de la société civile. To imaginez membre de la société civile. Oyo azalaki membre de la société civile. Le loba kangae na likambole l'Italie haute trahison. Ezabilo ko ya soni. Dans le camp de l'ennemi, qu'est-ce qu'il y a? Na kan ya ennemi ezana nini kuna ezo ka motivé ba jeune congolais kokende ko sala coopération na banguna. Dans le cas de Nanga et Yazana Ninio Eza Kuna Yamalunga, Eko Bimisa Mutumo Bimba Atele Maliboso Yamboka pour que Asala traîtrise na motema na yenyos. Mutu Oezra ki a société civile, Oezra ki Sunga Mboka, pour ekende liboso, Oezra ki ko dénonce le mal. Bango wana tozo kuta bango na kate ba coopération na ba AFC, na ba M23. Naba terroriste ya ba ADF. Au-delà de ça, tozana moko awape azraki moko ya ba konzi ya ville ya Butembo. Ce qui est grave. Donc jusqu'à ce que bayaki ko tia maboko likolo ya mutuana, mais azraki ko sala coopération na ba ADF. Azraki ko sala coopération na ba M23. Yango bozoyo ka bambo ke zo kweya. On se demande bambo ke zo kweya boni. Comment ça s'explique que bambo ke zo kweya? Bambo ke zo kweya parce qu'il y a les gens qui servent des béquilles na batu wana. Eza na batu oyo bazo sunga ba rebelle d'une manière ou d'une autre. Ko kende liboso na bakati ba démarche na bango. Boni ba arme kokota. Boni ba jeune ba ko intégré, boni ba ko sensibiliser ba jeune, boni na ba groupe na bango, ba ko sala yango pour que ba jeune ba sala motivé ou que na la rébellion. Et si nous ne mettons pas notre vigilance en avant, to ko ya komi kuta un certain temps moka e kei boy. Le loba to ba zo banga que les rebelles du M23 arrivent à Butembo. Mais yo ka les cas qui se signalent à Butembo. Écoutez les cas qui se signalent à Butembo. De jeunes et mboka, oyo bazo servir les loba rebelles du M23. Ba jeunes et mboka, oyo bazo servir les loba ba rebelles du M23. Ba jeunes et mboka, oyo bazali ko kanisa que servir les rebelles du M23 est un avantage na bango. Pourtant, ça n'a jamais été un avantage na bango. Et tika ko la zala jamais. Na kati ya eloko oyo esengela ki bango basa. Au-delà ya mutu la société civile, présumé collaborateur du M23. Parmi les personnes arrêtées, figure monsieur Maître Kakurusi, ancien vice-président de la société civile. Et monsieur Patrick Tiko, voulais-je dire. Ancien maire adjoint de cette même ville, ancien maire adjoint, Azalaki maire de la ville, et Azalaki collaboré na Batouana. C'est grave. C'est grave. Le kola soni, c'est grave qu'il y a un banda comme ma soni. Et que la justice aujourd'hui est appelée à être indépendante. Ces aventures ont aux Oyoka et Sengali est si là. Est-ce que c'est l'impunité qui serait à la base y a motivation à Batouana? Parce que si on dit ici l'impunité, c'est-à-dire si on punissait ceux qui ont la loi et la loi qui ont appliqué la Batouana, ils ont la haute trahison. La haute trahison est aussi là. Et seulement la justice qui peut faire ça. Pas une justice malade comme le Jean le prétend. Pas une justice où est causala dépendant. Justice est causala indépendante. Et zala sans concurrence na mutu. Et zala sans injonction ya mutu. Et zala sans ordre ya mutu. Pas parce que lui appartient à la famille présidentielle, il a injonction. La justice,
pour que le dossier est calé. Non, pas ce genre de justice. Nous n'avons pas affaire avec ce genre de justice. Bah, tu vois, le Kabila a échoué, on n'arrêtait pas les gens, on dénonçait pas les gens. Ou les a libité pour que les gens ne soient pas punis. C'est-à-dire, là où Kabila a failli, il faut corriger aujourd'hui. C'est le rôle de ce régime. Là où Kabila n'a pas mieux fait, il faut que les gens arrivent à mieux faire aujourd'hui. C'est le rôle de ce régime. Là où Kabila n'a pas mieux, a bongisa qui te sengeli le lo, bah tu vas bongisa. Kotika na ba comparaison ana, tolingite, ba comparaison ana, ce n'est plus le temps. Kabila n'est plus là. Ata ba tu ba robindenganini, il n'est plus président de la République. Il est à charge du président de la République d'arranger les choses. Allô, nanobakia walikolo ya mibeko justice. Qui aujourd'hui est appelé à mettre la justice en place? C'est pas seulement Costa Mutamba. Et ça, Constant Mutamba, ce n'est pas lui-même. Parce que quel que soit ce que Mutamba va faire, si les magistrats peut-être du Nord Kivu, du Sud Kivu, la province de la Tchopo, de l'Oualaba, de Kinshasa, de ces 26 provinces de la RDC, ne prennent pas conscience, il y a Moussala, il n'y a rien qui ira avant, il n'y a rien qui va changer. Si ces magistrats ne sont pas bien traités, il n'y a rien qui va changer. Si ces magistrats ne sont pas mis dans des conditions confortables, ça ne va pas aller. Ils resteront corruptibles. Et ça nécessite que l'État arrive à soigner très bien ces magistrats, arrive à très bien payer ces magistrats, pourvu que ces magistrats soient redevables à l'État congolais. Parce qu'il y en a cas, il y a détournement. Parce que on a cas de corruption, tu es condamné, tu es arrêté, tu es puni par la loi parce que tu es bien traité par l'État congolais. Alibi, le loba, tu baso, tu as, comment est-ce qu'on sera rigoureux avec moi pendant que Nazo soit en bon côté? Tout ça, les amis, ça, là, ils sont en bon côté. Tata wa ekolo. Moi, na mboka, tu sais que, ils sont en bon côté, ils sont en bon côté. Na baro à Nord Kivu, qu'est-ce qui se passe? Bah, avocat, bah, devenir. Bah, avocat, bazo sala makambo oyo tikali koyoka mate. Bah, avocat, bakomi ba escro. Bah, justicier nyonso wana esengeli komona bango. Esengeli bango nyonso bazwa ba conscience pour que to tombola ekolo na biso. Nako pesa bino ndakisa moko ya likambo oyo likaki na baro ya Nord Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et loko ya Sony, qu'est-ce qui s'est passé? Les barreaux du Nord Kivu ne décollèrent pas. Maître Tombo Mubake Thierry, avocat du barreau, avocat au barreau du Nord Kivu, vient d'être radié par ces mêmes barreaux pour plusieurs cas de vol. Pour plusieurs cas de vol. Je répète, pour plusieurs cas de vol. Bah, antuvaler. Bah, relobite. Bah, elekisi. Avocat, ou yakoti kala, je suis ami, présent, kala, avocat, ya baro, tete, to radieye. Honor qui vous, ça c'est le honor qui vous. Aussi, qui vous, l'autre fois, to yoka kike. Bah, kouta ki, avocat. Azo couché na cliente na na katia mutuka pene ya parke. Ça sont des cas où ils abaka moko eko yo kamate. Et sengeli mutu azo a conscience. Et lorsque un avocat azo sa ba désordre boye, nyo sona bazo tiango na mitu ya bakonzi. Certes, bango sengeli ba assiré. Mais conscience ya mutuane zali wapi. Avocat bazo poursuivre pour na vol. Et sengali au-delà. Toujours senga na baro ya Nord Kivu. Toko kende kuna to landela le kamboy. Au-delà ya koradieye. Et sengali mutuana kota na boloko. Parce qu'il fait aussi honte pour la République. Azo sa la honte même pour le corps des avocats. Azo sa la honte. Il faut le poursuivre à Kangama. Plusieurs cas ya koiba. C'est quoi ça? Ah, Mboka Oyo. Cette décision prise lors de la réunion du Conseil de l'Ordre
Le 27 juillet est motivé par plusieurs cas de vol survenus dans la ville de Goma. Selon les règlements intérieurs cadre de barreaux de la RDC, notamment l'article 63.2, maître Thierry est reconnu coupable de manquement aux obligations de délicatesse, de prohibité et de dignité. Cette affaire souligne des questions sur l'intégrité au sein de la profession d'avocat dans la région. Décision des gens qui ont précisé Maïlo Kouana, Yeboni Moutouana, Bakaya, vol, pas viol, mais vol. Avocat Mobimba, Tala Makambo Bazo Kouté Nakati. C'est là qui, au-delà de Yako, et Sengeli, Tokolanda et Kambouango, au-delà de Yako, Zala sanctionné, Kozala radié. Na liste à avocat, na koro à avocat, Sengeli à l'andama la justice, à Sibir, guerre à loi. Ce n'est pas normal. On va finir alors pour l'insécurité dans la ville de Goma. Qu'est-ce qui se passe des jours au lendemain? Batu bazo koufa chaque jour awa. Nakati amboka Goma criminalité ribene kei musika. Les gens meurent chaque jour, aujourd'hui, demain. On a encore tué les gens. Près à bureau na biso awa, près à télévision na biso awa. Kala musika te na 0h02. Babumaki batu ba côté le bango landako. Ma bêtisienne garçon ango marié masasi moi ce n'est qui veuve comme ça et sengeli ba autorité ba mi impliqué na kati ali kamboyo, c'est simple que ça et sengeli ba autorité ba côté la likambo ba mona boni ba aussi sa criminalité urbaine. Gouvernement provincial lobby que c'est le cas de faux azalendo ba musuba lobby za ba bandi ba musuba lobby ba il y a aussi plusieurs armes na kati ya mboka où on ne sait pas quoi distinguer. Et la population est totale et la mokonzi à écolo. La population condamne Tshisekedi parce que yende ba pesa mandat. Yende ba pesa mingongo na bango. Yende ba vota. C'est ce que j'ai dit au départ. Batu bazo kosa mokonzi ya mboka. Bazolinga koloba vérité, boyebisa mokonzi vérité. Il va trouver des solutions. Il est président de la République. Boyebisa e mokonzi. Et lesquels biso na kati ya Goma. Insécurité et mati. Sinon, bozo, fingisa mokonzi ya mboka na kati ya Goma. Boko tinda batuba bayeye, le temps qui a massili sinan le mandat na été. Et ça sera honte pour bino batuboza sima ya mokonzi ya mboka. Peut-être n'a pas eu la chance à Alanda, émission Oyo. Mokonzi Yamboka, rien ne va à l'est du pays. Insécurité dans Katia Goma et l'équipe Moussika, Ezo Kende, na dimension Oyo, et Tika Kozala jamais. Et que les autorités, c'est les bases de mesure, pas l'ungwa na ba superficielle, pas contre la action. Des armes à Goma, pas minouki batu, pas l'ongo la kayango wapi. On ne sait plus différencier qui qu'il soit. Batunyo soubana mindou kiawa. Et ça insécurise la population. Au-delà de l'agression, batoubazo koufa bongo. Et c'est un cas Oyo Ezali Kusimbate. Des manifestations éclatent ce mardi soir au nord de la ville de Goma. Où de nombreux jeunes expriment leur colère face à la montée alarmante de l'insécurité dans la ville. Les protestataires appellent à des mesures urgentes pour restaurer la sécurité et protéger les habitants. La situation reste tendue. Lundi, l'armée a annoncé la traque de faux azalendo qui sont à la base des tueries dans la ville de Goma. Voilà donc yoyo. Lundi, bakonzi baloba ki ke bakolande la likambo yango. Bon, total la bonye koza la main insécurité et mettre mal à l'aise la paisible population, toute la population dans la ville de Goma. L'ex-ministre Moderon Simba a signé à résidence surveillée ce mardi après 5 mois de détention à la prison centrale de Makala. Justice Makamboya Moderon Simba qui est libanda à prison balobi à cause de la surveillance et résidence surveillée. Voilà donc les informations Oyo Tuzala Kinango Mukolo Mwalelo, Trubi Matondo na ba téléspectateurs ya Congo Live Télévision, ba Oyo Balanda Kibiso depuis le départ ya Manaka Oyo Tinasuka. J'étais Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation.
Je reste disponible plus 243 993 46 71 93. Merci beaucoup, dames, messieurs, et à la prochaine pour d'autres actualités.